pouvez ranger vos affaires. Ouais. Et je vous rappelle le sujet de votre rédaction pour lundi. Racontez la plus belle journée de votre vie. Et soignez bien la présentation, s'il vous plaît. La plus belle journée de votre vie? Oh, je suis vraiment pas inspirée. Vous allez raconter quoi, vous? Je ne sais pas encore. Pas étonnant. Oh, je suis vraiment pas inspirée. Vous allez raconter quoi, vous? Je ne sais pas encore. Pas étonnant. Toutes mes journées sont extraordinaires, puisque je suis la fille du maire. Moi, la plus belle journée de ma vie, ce sera quand t'arrêteras de dire des âneries pareilles. Ça vous fait rire? Oui, oui, un peu. Attends-moi! N'empêche, je me demande ce qu'il va bien pouvoir raconter, Rico. Il dit jamais rien sur lui. Je sais, ma plus belle journée, c'est celle où j'ai rencontré Sébastien. Oh, l'ennui, c'est qu'on était tellement petits que je m'en souviens plus du tout. C'est vrai que les journées les plus belles sont souvent celles où on rencontre un nouvel ami. Je monte fermer te voir, maman. Eh bien, quel enthousiasme. La plus belle journée de ma vie a été le jour de la rentrée des classes. Tout le monde courait partout dans la maison. Mon oncle Jean-François et ma cousine Virginie venaient juste d'arriver pour s'installer dans le village. Départ dans 5 minutes. Maman, t'as pas vu mon cartable? Juste derrière toi, mon chéri. Où ça? Mais où ça? Il était bien caché, le coquin. Ça va, Virginie? J'ai l'air d'aller bien. J'ai horreur de la campagne. Je comprends toujours pas pourquoi mon père a voulu qu'on s'installe ici. Tu vas voir, tu seras bien ici. C'est super, la campagne. Super? Ouais, quand on aime s'ennuyer. En plus, on n'a même pas de maison à nous. Et regardez ce que j'ai retrouvé dans les cartons. Tada! Ma dernière invention. Le sèche-cheveux à ion positif, moteur 4 vitesses, ultra rapide. Pour sécher, il sèche, tonton. Je dirais même plus, il brûle. Oui. Quand j'aurai mon atelier à moi, je pourrai l'améliorer nickel, pile poil. On a tous hâte que tu l'aies, ton atelier, à toi. C'est la rentrée! Oui! En route! Je me demande ce qui va changer cette année. Oh, il aura peut-être un nouveau garçon super mignon. J'espère qu'on changera pas de maîtresse. J'aime bien Delphine, moi. Je la trouve sympa. Oh, mais poussez-vous! Vous prenez toute la route! Bon, en tout cas, il y a des choses qui ne changeront jamais, malheureusement. Jérémy, t'es tout pâle. T'as vu un monstre? Il y a un type bizarre dans le hall de l'école. Je sortais des toilettes et il m'a demandé 15 fois si je m'étais lavé les mains. Vous parlez de moi, jeune homme? Ah! Je suis Monsieur Pichon, votre nouveau surveillant général. Je vous préviens, avec moi, ça va filer droit. Je suis très à cheval sur l'ordre, l'hygiène et la discipline. Alors, fini la rigolade! Mais on rigole pas, monsieur! Eh bien, tant mieux. Continuez comme ça. Bonjour à tous. Bonjour, madame! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Comme vous l'avez constaté, nous avons un nouvel élève, Eric, qui a malheureusement redoublé. Mais je préfère qu'on m'appelle Rico. Ça rime avec c'est moi le plus beau. Moi, je t'appellerai Richard, parce que ça rime avec gros tocard. Oh là là, les récrés promettent d'être tendus entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'elle a, la pabèche? Elle veut ma photo? Oh, mais il fait de l'humour, le redoublant. Fais pas trop le malin. À force de redoubler, un jour, t'auras l'âge de venir à l'école en voiture. Laisse-le tranquille, Émilie. Ça peut arriver à tout le monde de redoubler. Oh, je vois. Entre gros nuls, on se comprend. C'est moi que tu traites de gros nul? Et d'abord, pourquoi tu t'en prends à elle? Elle t'a rien fait? Alors tu ramasses ton serre-tête, ta jupette et ta Claudette et tu vas voir là-bas si j'y suis. Pigé? T'énerve pas, Rico. Elle fait toujours ça. Elle ne peut pas s'en empêcher. C'est pas sa faute, la pauvre. Alors si c'est pas de sa faute, c'est la faute de qui? C'est la faute à pas de chance. Alors toi, c'est Tartine, c'est ça? Je préférerais Martine, si ça ne te dérange pas. Ok, Tartine.
Je tâcherai de m'en souvenir. Rico ? Il était dans ma classe l'année dernière, il est super pénible. Toujours à se moquer des autres, personne l'aimait. Pourtant, ce matin, il a pris ma défense contre Émilie. Je suis sûre qu'il n'est pas si méchant que ça. C'est quoi, ça ? Ce sont des légumes frais du potager, Virginie. Du potager ? Chez nous, ça sort d'une boîte, au moins on est sûr de ne pas manger de la terre. J'en ai marre d'être ici, j'en ai marre ! Si la matinée avait été mouvementée, ce n'était rien comparé à ce qui nous attendait. Au revoir, Nana ! À ce soir, les enfants, travaillez bien ! S'il vous plaît, asseyez-vous en silence. Eric n'est pas là ? Absent dès le premier jour ? Ça commence bien. Émilie, on se passera de tes commentaires. S'il n'est pas là, c'est sans doute parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Monsieur Pichon, je vous signale qu'Eric était absent cet après-midi. Ça mérite une punition, non ? Mais dites donc, ce n'est pas à vous d'en décider. Oh, c'était juste pour rendre service. Ah, au fait, je vous ai dit que j'étais la fille du maire. Oh, merci, mademoiselle. Vous avez bien fait de me prévenir. Mes salutations à monsieur votre père. Eric ? Eric ! Rico ! Si tu viens pour pêcher, t'as oublié ta canne à pêche, la tartine. Pourquoi t'es pas venue à l'école ? T'es de la police ? Oh... C'est important l'école pour avoir un métier plus tard. Et puis, il y a des copains, des copines. L'école, c'est pour les petites filles sages comme toi ou cette chippie d'Émilie. Moi, j'apprends bien plus en me baladant dans la campagne. Je la connais par cœur. Tu peux pas en dire autant, madame la première de la classe. Dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, Rico. Moi, si. Virginie ! Virginie ? Virginie ! Virginie ? Virginie ? Virginie ! Virginie ! Virginie ! Où tu es, ma chérie ? Virginie ! Virginie ! Virginie ! Virginie ! Virginie ! Virginie ! Qu'est-ce qui se passe ? Virginie a disparu. Elle n'est pas rentrée du collège. Oh ! Virginie ! Mais où est-ce qu'elle est passée ? Oh ! Virginie ! Elle s'est peut-être fait enlever par des extraterrestres. Alain, on va la retrouver, Jean-François. Ne t'inquiète pas. Oui, mais c'est immense par ici. Par où commencer les recherches ? Elle a pu se perdre dans les bois. Il faudrait quelqu'un qui connaisse le coin sur le bout des doigts. Mais oui, j'ai une idée. Elle a pas dû aller bien loin. Suis-moi. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. J'approche. Pas de panique, réfléchissons. Elle avait l'air comment ta cousine la dernière fois que tu l'as vue ? Bah, j'ai plutôt l'impression qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille. Ah ! Alors, attends, je connais le coin idéal pour ça. Hein ? Quoi ? Je viens ici de temps en temps quand je veux être seule. Allez, viens ! Attends-moi ! T'as peur du vent ? Ah ! Oh, Virginie ? Martine ? Oh pardon, je vous ai pris pour des cambrioleurs. C'est une maison abandonnée, y a rien à cambrioler. Oh. Hey, ça fait super mal. Je suis désolée. Tout le monde te cherche, Virginie. On pensait même que t'étais repartie à la capitale. Repartie ? Toute seule ? Mais ça va pas. Je cherchais juste un truc intéressant à faire dans cette fichue campagne. Et alors ? T'as trouvé ? Non, j'ai juste réussi à me perdre. Du coup, je me suis réfugiée ici quand l'orage a grondé. J'ai eu si peur. Oh, nous aussi, on a eu peur. On s'est tous inquiétés. Ton père est catastrophé. Désolée, les violons, c'est pas mon truc. Je vais prévenir les autres. J'aimais tellement ma maison d'avant. Dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut.
C'est ton petit ami? Non, non, c'est juste un copain de classe. Ouais, bien sûr. Oh, ma chérie, oh, tu m'as fait une de ces peurs. Oh, papa! Ne me refais plus jamais ça, hein? Oh, mais dis donc, elle est magnifique, cette maison. Papa, c'est une ruine. Une ruine, une ruine. Oh, ça se restaure. Ça fait des années qu'elle est abandonnée. Le maire voulait la détruire, mais c'était preneur. Évidemment, il y a du boulot. Mais moi, les travaux, ça ne me fait pas peur. Je suis bricoleur. C'est vrai? Moi aussi, j'adore bricoler. Je répare mon VTT tout seul. Je pourrais vous aider? Oncle Jeff, j'ai un truc. D'accord. D'accord, mais seulement si tu retournes à l'école. Quoi? Eh oui, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Ah, ouf. Et voilà. Et je garde les meilleures rédactions pour la fin. La tienne, Martine, est passionnante et très émouvante. Et par le plus grand des hasards, Eric nous a raconté la même journée et les mêmes événements. C'est très bien, Eric. C'est très romantique. Ils sont à vous.